وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي هؤلاء من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، الإخوة والأخوات الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم، كالله سبحانه وتعالى فاز دو نوتخ فيو اوجوردي سانسير بور لي.
كنت أود أن أتكلم في موضوع الحياة مع الله سبحانه وتعالى. وعند وصولي إلى المسجد فوجئت بأن هناك اليوم جنازتين. الله. فقلت ربما غدا سأكون أنا مكانهم، ربما غدا قد تكون أنت، ولله شؤون في عباده. Chers frères et sœurs, j'avais préparé un sermon aujourd'hui sur la vie avec Allah subhanahu wa ta'ala et vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie très courte. Et arrivé à la mosquée, je remarque deux janazas aujourd'hui. Deux frères, Ali et Mahdi. Donc un est plus jeune que l'autre. 1983 et 1957. Et je me suis dit que demain, et on ne sait pas quand, c'est moi peut-être qui serai à leur place, ou l'un d'entre nous. Et ça, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. الله عز وجل يذكرنا في القرآن أيها الأحبة ويقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك ستموت، والحق أني سأموت. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنه لا بد أن تلقى الذي خلقك. إلى مغيبه. Et quand l'heure arrive, personne ne pourra l'empêcher. ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تهرب. ذلك ما كنت منه تفر. ولكن لا مفر من الله إلا إليه. C'est ce dont tu avais peur. C'est de jour, à ce jour-là qu'il faut se préparer. Et là, j'appelle les frères et les sœurs. Si nous avons perdu aujourd'hui le Mahdi Ali, rahimahum Allah, et bien notre jour, ça sera notre tour. Et personne ne pourra échapper à ce jour. Et il faut qu'on se prépare. Et par cette occasion, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner à la famille de ses deux frères de la patience et à leurs amis. Et de leur demander rahma, لأن Allah subhanahu wa ta'ala rahim bi'ibadi. رحلوا إلى الله كما سنرحل إليه ورجعوا إلى الذي خلقهم كما سنعود إليه فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسوم الله سبحانه وتعالى سيلوي له retour. Et nous devons nous préparer pour ce jour. الله عز وجل يبين بأنه لا أنا ولا أنت ولا أحد يبقى على وجه الأرض. كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول كل شيء هالك. Toute chose sur cette terre périra. Toute chose sur cette terre mourra. Ce qui reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هل نحن مستعدون؟ Sommes-nous prêts aujourd'hui, prêtes? Maintenant, ça n'a pas l'air.
ونحن ندفن أمواتنا وغدا سندفن، نحمل أمواتنا وغدا سنحمل، تحملهم فيحملونك غدا أو بعد غد. Nous enterrons nos morts et demain d'autres vont nous enterrer. On prie sur eux, demain d'autres vont prier sur nous. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se prépare pour ce jour. Certes, c'est triste ce qu'on voit aujourd'hui. Mais chacun va passer par ce passage. Chacun goûtera à la mort. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. أن تستعدوا أيها الإخوة، لأن كثير من الشباب اليوم، كثير من كبار السن، رجال ونساء، يعيش بعيدا عن الله عز وجل ولا يبالي، يعيش حياته ولا يهتم، وكأنه ينسى هذا اليوم. وهذا اليوم أيها الإخوة لا بد من الوصول إليه. عد إلى الله، ارجع إلى الله، غفران الله سبحانه وتعالى. اتق الله، خان الله سبحانه وتعالى. Fais de telle sorte que ta relation avec Allah عز وجل soit saine. Et bien sûr, comprendre que cette relation avec Allah عز وجل, même quand tu reviens Allah عز وجل, quand tu deviens pratiquant, quand tu deviens alhamdulillah, une bonne relation avec Allah عز وجل, ça ne t'empêche pas de vivre. Il ne faut pas comprendre l'islam à l'envers. Ce n'est pas parce que tu as commencé ta prière, ce n'est pas parce que tu es bon avec Allah سبحانه وتعالى que tu vas t'empêcher de vivre. الله عز وجل جعل لك الحياة الحلوة والحياة السعيدة معه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Celui qui délaisse ce chemin-là, vit avec Allah عز وجل, vit ce chemin de bonheur avec Allah سبحانه وتعالى, il te montrera le bonheur, il te donnera le bonheur. عد إليه, اسأله سبحانه وتعالى, توب إليه. لا زال أمامك الوقت, tu as encore le temps, et j'ai encore le temps, et on a encore le temps. Tant qu'on respire, tant qu'on parle, tant qu'on est vivant, on a la possibilité de revenir vers Allah سبحانه وتعالى, et ne pas perdre le temps. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا من المبصرين. Qu'on regarde, qu'on se réveille, qu'on soit éveillé, parce que ce jour-là, on est obligé de passer par ce jour-là. لا بد من هذا اللقاء ولا بد من هذا اليوم. ستقف أمام الله عز وجل ويسألك عن كبيرة وصغيرة. فهذه الحياة أيها الإخوة داعيان، داعي إلى الله وداعي إلى معصية الله. فإما أن تتبع هذا الطريق وإما أن تتبع هذا الطريق. Deux fois, y'a pas un troisième, y'a pas une troisième. Deux fois dans cette vie ici-bas. Une voie vers Allah subhanahu wa ta'ala qui te permet de vivre le bonheur sur cette terre-là, le bonheur terrestre et le bonheur de l'au-delà et dans l'au-delà. Et une deuxième voie, un deuxième appel qui est vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intelligent parmi nous, c'est celui qui va rendre sa relation saine avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'avec cette relation, tu vas vivre le bonheur. Le bonheur. Bi hadhihi al-alaqa ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, sata'ish as-sa'adata fi ad-dunya wa fi al-akhirah. As-sa'adata ma'a Allah, sa'adata ma'a awladik, sa'adata ma'a zawjatik, as-sa'adata ma'a walidayk. Le bonheur avec tes parents, le bonheur avec tes enfants, le bonheur avec ta femme, le bonheur avec ton mari, le bonheur avec vos frères et vos sœurs. Le bonheur dans ta société. Tu vis le bonheur parce que tu vis bien intérieurement. Tu vis en harmonie. لأنك تعيش في هدوء وتعيش في اطمئنان وقلبك مطمئن لأنك مع الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. C'est avec le rappel d'Allah سبحانه وتعالى que les cœurs s'apaisent. Que les cœurs s'apaisent. Il faut qu'on se prépare pour ce jour-là et ne pas l'oublier. Parce qu'on a tendance à oublier jusqu'à ce que la mort arrive et personne ne pourra l'empêcher. Personne. لا أحد يستطيع أن يقعد. فعود إلى الله. وإذا ضاقت بك الدنيا فقم يا الله.
إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا مرضت فقل يا الله، إذا تعبت فقل يا الله، إذا أصابتك ديون فقل يا الله، إذا كانت عندك مشاكل فقل يا الله، إذا تخلى عنك الناس فقل يا الله، فإن الله رحيم بك أرحم بك من أمك التي ولدتك. Dis-le. Dis-le. Reviens vers lui. Il t'accepte. Il te pardonne. Allah Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, très miséricordieux. Il t'accepte. Il accepte celui qui revient vers lui. Et si tout le monde te trahit, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te trahir. Si tout le monde te délaisse, Allah subhanahu wa ta'ala ne te délaissera pas. Et reviens vers lui. Prosterne-toi pour lui. Prie pour lui. Salli lillah. Wa'ud ila Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala sayarzuquka as-sa'ada. Et Allah va te donner le bonheur. Nous avons dans l'exemple de nos frères, rahimahumullah. Et pour vous voyez que la mort ne choisit pas. Il n'y a pas une limite d'âge. Dernièrement, on a perdu des enfants, des bébés. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, et si la loi de tout le monde partira. On demande à Allah azza wa jalla de donner la patience à nos frères et à nos sœurs, à la famille de ses frères et des sœurs. Idan ayyuha al-ikhwah, la tariq, tariqa. Donc il y a deux voies. Il y a toi de choisir laquelle tu veux. أي طريق تريد؟ طريق داعي إلى الله عز وجل أو داعي إلى الشر؟ وكلما قضيت ساعة أو قضيت لحظة أو قضيت ليلة أحسست بها بغربتك عن الله عز وجل فعد عد إليه. أشكمه أشكمي. Quand tu ressens dans ton cœur que tu commences à t'éloigner d'Allah عز وجل, eh bien réveille-toi et reviens. Et sache bien qu'il ne te jettera pas. الله عز وجل لن يضيعك. الله سبحانه وتعالى لن يتركك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. النداء للكل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs, vous qui partez dans l'excès contre vos âmes, contre vous-mêmes, ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés. Et il est grand pardonneur, et il est miséricordieux et pardonneur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. هذا نداء من الله عز وجل. يقول لك يا عبد ارجع، أنا قريب منك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ici mon serviteur, ici mes serviteurs te posent la question à mon sujet. Je suis proche d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Il est proche de toi. Reviens vers lui. Fayastajibuni wa yu'minu bi. Croyez en moi. Croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa Allah azza wa jalla. Lan yatakhalla 'ank. Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera pas tomber, même si tout le monde te laisse tomber. الله عز وجل موجود والله عز وجل معك بعلمه والله سبحانه وتعالى يرحمه ويقبلك إذا عدت إليه فكم منا يرتكب الذنوب هنا parmi nous qui font des péchés والله عز وجل يسترهم et ça on a dit dans plusieurs sermons الله عز وجل يسترك ولم يفضحك أمام الناس. Combien d'entre nous font des péchés et Allah عز وجل découvre, il ne veut pas les divulguer devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il attend que tu reviennes vers lui. Il ne veut pas te divulguer, il ne peut pas te montrer, il ne veut pas te montrer aux gens. Il te protège.
parce qu'il sait qu'un jour tu vas revenir vers lui. Et le jour où tu vas revenir vers lui, il t'acceptera. Et il est plus miséricordieux envers toi que ta maman. Arham bik min ummik. Arham bik min ummik. Al-umm arham nas bin nas. La maman, l'être le plus miséricordieux envers ses enfants, c'est la maman. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jal, arham bika anta min ummik. Et Allah Azza wa Jal, plus miséricordieux envers toi que ta maman envers toi. رجل من السلف الصالح فهم هذا الكلام. L'un de nos prédécesseurs a bien compris ce message prophétique. فقال يا ربي انا اعلم انت تعلم ان امي ارحم الناس بي امي ارحم الناس بي ارحم الناس بي وانا اعلم يا الله أنك أنت أرحم بي من أمي يا رب فإن أمي لا ترضى أن تلقيني في النار فلا تلقيني فيها يا الله. Ça c'est la compréhension. Comprendre ce message. Comprendre ce message pour revenir vers Allah Azza wa Jalla. Cette vie est très courte. Elle est courte. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira. Ce prédécesseur, l'un de nos prédécesseurs, qu'est-ce qu'il a dit? Et via Allah, vous savez que ma mère est la personne la plus miséricordieuse envers moi, que tout le monde. Et moi je sais, ya Allah, que toi, ya Allah, tu es plus miséricordieux envers moi que ma mère. Ya Allah, ma mère ne voudra jamais me jeter dans le feu. Ya Allah, ne me jette pas dans le feu parce que tu es plus miséricordieux envers moi que ma mère. Allahumma rahmatika rahmatika. Allah Azza wa Jalla rahimun bik. Alors qu'est-ce que vous attendez les jeunes? Mada tantadirun? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends pour revenir? Qu'est-ce que tu attends pour rendre ta relation avec Allah Azza wa Jalla saine? Et tu peux vivre normalement comme tout le monde. Tastati' an ta'ish li baqi an-nas bal as'ad an-nas din wa dunya, dunya wa akhira. Une vie qui s'éveille, une vie de l'au-delà. Falnatawajjah ila Allah ayyuha al-ikhwa an yarhama ikhwanana. يرحم هؤلاء الأخوين الشباب والله عز وجل إن رحمتهم رحمة واسعة demande الله عز وجل qu'il soit miséricordieux envers nos deux frères qu'on a perdus et qu'il donne de la patience à leur famille et à leurs amis à leurs frères et sœurs inshallah ونطلب الله عز وجل أن يجعلهم من أهل الجنة et qu'il fasse d'eux des gens du paradis inshallah et qu'on se nous aussi on se prépare pour ce jour parce que nous allons sûrement passer tous par cette étape. Allah aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh tajidu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala khair al anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أنه إذا حان وقتك فلا بد من الرحيل. لا بد من الرحيل ولا بد من الفراق. Même si tu vivras très longtemps, le jour de la du départ arrivera. Le jour de la séparation arrivera. C'est pourquoi je le dis aux jeunes, profitez de vos parents. C'est pourquoi je le dis aux femmes, profitez de vos enfants et de vos maris. Et c'est pourquoi je le dis aux frères, profitez de vos femmes, de la présence de vos femmes et de vos enfants. Vivez le bonheur dans la famille. عيشوا السعادة في البيوت ديالكم. عيشوا الهناء في البيوت ديالكم. فلا داعي للشقاوة ولا داعي للسب. ولا داعي للشتم ولا داعي للطلاق ولا داعي للكلام الفاحش ولا داعي للخصومة ولا داعي للشقاق فيما بينكم. Il y a pas besoin de se prendre la tête dans cette vie d'ici-bas pour des choses inutiles, pour des futilités, pour des choses qui ne valent rien.
Vivez le bonheur avec vos familles. Évitez le divorce. Évitez le problème avec vos enfants. Évitez le problème avec vos femmes. Évitez les problèmes avec vos maris. Vivez le bonheur dans cette vie d'ici-bas. Parce qu'il va venir un jour où vous allez partir. Et on ne sait pas comment on va partir. في أخت تسألكم دعاء هي حاضرة معكم اليوم لأبنائها عند ولد سألكم الدعاء له أن يرزقه الله عز وجل زوجة صالحة وأن يجعله هو كذلك من الصالحين اللهم أصلح هذا الولد اللهم أصلح هذا الولد وفي إخوة أيها الإخوة هذا الكلام للآباء في سجرة غيسو بارون لبير الآباء أنت مسؤول عن بيتك مسؤول عن الهدوء في البيت tu es responsable de la tranquillité à la maison et la femme aussi la femme et son mari vous êtes responsable de l'apaisement dans la famille الهدوء العائلي parce que plusieurs familles ont été déchiquetées ont été déchirées à cause de quoi à cause de petits problèmes entre la femme et son mari أمور تافهة تشتتت بها أسر أمور صغيرة منهم من طلق من أجل كلمة ومنهم من هرب من أجل كلمة بسبب كلمة دي ديفورس à cause de d'un mot à cause d'un petit problème et après le grand problème c'est qui après la victime c'est les enfants et on trouve l'enfant il s'éloigne مسكين de طريق الله سبحانه وتعالى il s'éloigne de ce chemin de véracité de ce chemin de bonheur à cause de quelques problèmes dans la maison Nous sommes responsables de la stabilité de nos enfants et de la stabilité de notre famille. Et quand la stabilité de la famille existe, il y aura la stabilité dans la société. Et je vois que nous savons ce que nous avons dit. Et donc, je vous demande de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous quand ton heure arrive, l'en yenfa'a que la akh, ou la oum, ou la habib, ou la sadiq, ou la tabib. Quand l'heure arrive, il n'y a plus personne qui pourra t'aider. Ni médecin, ni femme, ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur. Mais quand Allah Azza wa Jal décide que tu restes en vie, eh bien même si tous les médecins du monde te disent que tu vas partir, Allah Azza wa Jal a dit non, eh bien tu restes. Et Allah Azza wa Jal huwa alladhi yuqarrir hadhihi al-umur. Qad yukhti'u at-tabib. لكن الله عز وجل هو الحق. Un frère parmi vous qui était parmi vous lorsqu'il a été brûlé, je pense au troisième degré, il est dans le coma, il a besoin de vos dua. Le médecin lui dit, il leur dit à la famille que il peut pas s'en sortir. Ils nous ont dit que grâce à Allah عز وجل il peut s'en sortir. Faites-lui des dua dans vos sujours déjà. Faites des dua pour tous vos frères et toutes vos sœurs. Ils ont besoin de ce dua. Et faites des doigts, Inch'Allah, pour les frères qu'on a perdus, les deux frères qu'on a perdus. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse de des gens du paradis, Inch'Allah. Non, ma fête de l'Oumana, wa stub'iyoumana, wa tawalla amana. Et je rappelle les frères pour l'Umrah. Les jeunes, profitez de l'Umrah, Inch'Allah. Reste pas beaucoup de place, profitez pour l'Umrah. Allez rendre visite à ces endroits-là. Et vous allez voir, c'est le bonheur, Inch'Allah. Allahumma rahamna wa rahamna wa limina wa rahamna allamana wa rahamna shaykhana. Wa rahamna lahu al-fadlu alayna. Wa rahamna awsana wa istawsana bidu أذكر الإخوة بأنه صلاة الجنازة على الرجلين بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. Je rappelle aux frères et sœurs qu'on va faire la prière de janaza sur nos deux frères إن شاء الله. Et salat al-janaza, ça se compose, pour ceux qui ne le savent pas, on n'aura pas le temps de le rappeler après, salat al-janaza se compose de rab'at takbirat, de quatre takbirat. La première, on dit Allahu Akbar et puis on lit Al-Fatiha. Le deuxième, Allahu Akbar, on fait salat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, etc. Le troisième takbira, on fait le dua pour le mayit, pour le mort, pour le défunt, pour nos frères. Et le quatrième takbira, on fait le dua pour tous les frères et pour toutes les sœurs et pour tous les morts, inshallah. Et après, on fait salam. Et dans cette prière, il y a ni recours, ni sujoud. Et cette prière, on la fera sur nous ici. Donc sur nous aussi, nous dit. Donc ce jour, Allahumma rahamna wa rahma lidina wa jazakumullahu khayran ala husn istima' wa tubu Allah azza wa jalla an yulhiqana bihim salihina ghayra maftunina innahu samii'un mujib.